Et là c'est 6. C'est au milieu, hein. Entre 5 et 6, c'est ça, au milieu. C'est ça. Place au milieu. Mais si il est trop devant, devant tes pieds, où tu tombes, tu sens que ça tire très fort, vous l'avez déjà senti? Vous venez que le sentir? Ça, c'est votre foi. C'est comme une ficelle invisible qui vous tire vers le centre de la terre. Boum, tchou, boum. C'est vrai, si tu prends n'importe quel objet, il tombe parce qu'il est tiré vers le centre de la terre. Vous avez bien compris ça? Un nuage de vapeur d'eau qui s'est condensé, comme dans le ciel. Là, pourquoi on voit les nuages? Parce que là-haut, la pression, elle est moins forte. Non. Pousse une fois. Pousse. Qu'est-ce que ça fait une fois? Ça fait des bulles. Et ça... Les bulles rentrent, montent à travers l'eau. Oui. Et encore une fois, ça gonfle. Et après, sans l'eau, est-ce que tu vois l'air rentrer? Non. Non. Et s'il n'y a pas d'eau, qu'est-ce que tu vois avec l'aiguille? Un bar. Parce que la bouteille n'est pas plus grosse, l'air n'a plus de place. Il est tout serré. Hey, est-ce que vous vous touchez tout le temps? Oui, parce que vous êtes serré encore. Ça, c'est une petite goutte d'eau. Et ça, ce n'est plus le zéro absolu. C'est le moment où les atomes gigotent. Oh, Pascal, par exemple, c'est un gros atome. Et comme ça, on peut mélanger des choses et on les congèle. On est coincé, on ne peut pas changer de place. Ça, c'est quand c'est froid. Là, vous êtes excité. Là, c'est la chaleur. On va refroidir. Je fabrique la fusée avec une bouteille. Salut ma papi. Oui. Ah, ma papi Fafo. Oui. Gabi ma papi. Oui. Et puis qui n'est Gabi ma papi?
ça sert à quoi ça? Voilà. D'accord? Ok, donc. Et la bouteille, on va la mettre où? Oui, bonne idée. Mettre ça ici. C'est ce que va faire la pompe. Et l'air va sortir. Il vient de ses poumons, prend ce chemin. Et va sortir ici. D'accord?